Bonjour, nous sommes le mercredi 7 avril 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, on est en début floraison, mais cette floraison est retardée par les températures froides et puis la neige de cette nuit hein, qui recouvre pas mal de parcelles dans le département. Alors aujourd'hui, euh, ce qui risque d'y avoir comme dégâts, c'est finalement des, des fleurs qui vont avorter, hein, puisqu'on avait quand même des parcelles qui étaient quand même assez avancées hein, dans le secteur vallée de l'Aine ou dans le lanois ou le chaunois, et donc euh, ces fleurs-là vont sans doute avorter. La conséquence, ça va être sans doute des déformations de tiges hein, qui vont euh, se, un peu se tortiller, et puis peut-être des fissures sur les tiges, sur les colzas les plus, les plus poussants, et puis sans doute un retard de floraison et peut-être aussi un allongement de la floraison. Mais les conséquences euh, de ces épisodes de gel et de neige ne euh, vont pas être catastrophiques. Sur les blés, on est au stade épi 1 cm jusqu'à 3 cm. Euh, de la même façon, au niveau des dégâts, il n'y a pas grand-chose à craindre. Ça bloque la végétation. Euh, la seule chose à faire, c'est d'attendre des conditions beaucoup plus favorables pour euh, intervenir si c'est nécessaire. Et éviter d'intervenir sur des périodes avec des gels nocturnes, hein, puisqu'on est encore dans une période où on risque d'avoir encore des gelées euh, matinales. Donc, pour l'instant, sur les céréales, le blé en tout cas, il n'y a pas de crainte à avoir. Sur les escourgeons, là on peut avoir des inquiétudes C'est un certain nombre de parcelles qui sont très avancées dans des secteurs précoces ou des zones abritées, hein, puisqu'en fait on a des, des parcelles où on frôle le stade de, de nœud. donc ça veut dire qu'on a un épi qui est en pleine formation. Et donc là, les coups de gelée, la neige, ça peut avoir des effets sur euh, des pertes dépillées. Donc euh, là, on ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Euh, voilà, c'est ce chose qu'on peut dire pour l'instant par rapport à ces parcelles-là. Sur les orges de printemps, pas d'inquiétude non plus à avoir, hein, puisqu'en fait, on est plein talage. Le pour les plus tardifs et plein talage pour les celles qui ont été semées pendant l'hiver, pas d'inquiétude par rapport à ça non plus. Les poids d'hiver, euh, bah, eux, finalement, ils ont bien passé l'hiver avec le gel qu'on a pu avoir. Et donc, euh, bah, voilà, ils, vont, ils vont être bloqués pour quelques jours avec le froid et puis ça redémarra dès que la température reviendra favorable. Pour les poids de printemps, ils sont en cours de levée, jusque deux feuilles pour les plus précoces. Euh, de la même façon, hein, le froid actuel ou la, la neige ne va pas non plus euh, provoquer des disparitions de plantes. Par contre, euh, dès que le, les températures vont revenir euh, plutôt favorables, avec des journées ensoleillées, soyez attentifs, surveillez les citones. Pour l'instant, on n'a rien observé. La semaine dernière, malgré les bonnes températures, on ne voyait pas de citones. Mais soyez vigilants parce qu'on n'est pas à l'abri, avec un retour des températures, d'avoir quelques citones sur les parcelles. Alors ensuite, les maïs. Alors, il y a déjà des parcelles de maïs qui ont été semées malgré les conditions climatiques. Juste un petit rappel, le maïs a besoin d'être semé dans des sols profonds. Bien réchauffé en profondeur. Donc, il faut au minimum que le, le sol soit à 6, 7 degrés. Euh, ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'était pas, pas le cas la semaine dernière et ce n'est pas le cas cette semaine non plus. Donc, tant que le sol n'est pas réchauffé, la le meilleur endroit pour stocker les semences aujourd'hui, c'est dans les sacs. Et attendre que les conditions climatiques soient plutôt favorables. Parce qu'un maïs qui végète, finalement, c est, il est plus exposé aux dégâts d'oiseaux. Hein. Souvenez-vous, l'année dernière, tous les dégâts d'oiseaux qu'on a pu avoir, pigeons et corbeaux. Donc, euh, il faut avoir un maïs qui démarre vite. Donc, on attend que le sol soit correctement réchauffé. Et puis, là, on pourra implanter. On ne gagne rien, ce met de bonheur. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.